pour l'instant, dans toutes les enquêtes d'intention de vote, le candidat issu du Parti Socialiste n'est pas le troisième homme, il n'est même pas le quatrième, il est le cinquième homme. L'on voit bien que même s'il y a ce problème de l'accès au second tour, il y a peut-être, nous le verrons dans quelques mois, le risque d'une véritable humiliation électorale qui, là, créera des turbulences extrêmement profondes dans la gauche socialiste et dans le Parti socialiste.